Alors bonjour tout le monde, ben, lundi, prédiction de la semaine, comme d'habitude. Hein. Pour le deuxième tirage, il manque un chiffre, donc on va demander à votre petite star tout à l'heure de tirer une carte au hasard. Voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par la France. Alors par contre, j'avertis tout le monde, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire dans une vidéo. Où je me suis fait insulter tous les noms, enfin bref, voilà. Si je vois un commentaire d'une personne ou qui me parle soit de Raoul ou soit du la chloroquine, je vire son commentaire et en plus je le vire de ma chaîne. C'est clair, net et précis. Mon sujet n'était pas celui-là, mais tout le monde en a fait toute une polémique et je me suis fait insulter de tous les noms. Donc voilà. Et en plus, là, j'ai un mec au Canada qui me donne entièrement raison sur ce que j'ai dit. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, ça c'est fait, le point c'est mis au point, point barre. Je suis pas là pour me faire insulter non plus. J'essaye d'aider les gens comme je peux et je me fais insulter. Moi, j'ai juste fait une petite question à la con. Donc. Oui, je suis en train de boire mon café en même temps, hein. D'ailleurs, j'en profite. Oui, mon bébé. Elle mange tes céréales dans ton bol. Parce qu'après, t'as les devoirs à faire. La maîtresse, elle t'a envoyé des devoirs à faire. Allez, on y va. Alors, Marie-Thérèse des France m'ont donné le 9. Le char en droit. Ça, c'est quelqu'un qui s'en va. Geneviève Rebelle, Nadia, Anna, le 19. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La justice en vert. Ludovic, Denise, Sandra, le 11. La roue de la fortune, en droit. Oula, il y a du changement dans l'air. Kevin le 2. La lune, en vert. Isa, Fabi, Simone, Jean-Marie, Sabine, Nathalie, Patrick, Marilène, Arnaud-Louise, le 8. Le pape en vert. Valérie Émilie Stine, le 10. 9, 10. Le soleil en droit. Oui, mon bébé, tu ranges quoi? Ah, d'accord, ok. Merci, mon bébé, de me le ramener. Patriarcat, le 13. Le fou en droit. Martine, Marie-Agnès, Françoise, Annette, Stéphane, Liline, le 7. 7. L'ermite en droit. Stéphanie, Marino et Pascal, le 18. Le battleur en droit. Alors, c'est bien ce que mes ressentis étaient bons et par rapport, voilà, j'avais des ressentis depuis hier soir. Et bah là, je me donne raison en fin de compte. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des démissions au niveau du gouvernement. Il va y avoir des personnes qui vont démissionner. L'État, pour l'instant, il se retrouve à être, on va dire, seul face aux problèmes qu'il y a à la pandémie qu'il se passe en France.
et dans le monde, hein, parce que ça, c'est une pandémie qui va faire énormément de dégâts. Et donc, y a quand même un travail, y a énormément de travail là-dessus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y en a qui vont baisser les bras et qui vont lâcher l'affaire, quoi, puisque faut savoir que la France a les limites à déposer le bilan. C'est la preuve. C'est pour ça que Mitterrand, je vais dire, n'importe quoi. Macron dit à tout le monde, même les ministres, etc. Oui, non, mais il faut se protéger, mais il faut continuer à travailler. Faut savoir que la première semaine de confinement, l'État a perdu 2 milliards d'euros. Et eux, ce qu'ils voient, malheureusement pour nous, c'est le travail, enfin surtout l'argent qui doit rentrer dans les caisses. Ça, faut le savoir. Et donc là, ils se trouvent dans une situation où ça va être soit on se barre, et ça va être plus ça, où on va dire bah je démissionne parce que j'en ai plein le cul de la politique qu'il y a. Et il va y avoir des démissions. On va avoir un changement qui est en train de se mettre en place au niveau politique, et ça va faire un peu mal au cul à beaucoup de personnes. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, après, je vais voir ça au niveau monde. Au niveau de la pandémie, ce qu'il en est. Hein. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, là, il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont en colère contre l'Union européenne. Il y a des pays qui sont en colère après l'UE, après Bruxelles. Il n'y a aucune aide pour l'Italie, il n'y a aucune aide pour l'Espagne, il n'y a aucune aide nulle part. Sauf, c'est pas du racisme, voilà, c'est ça. Pour le Maroc et la Tunisie, et puis à voir aussi pour l'Algérie. Financière, hein, je parle, attention, aide financière, c'est des millions et des millions d'euros qui vont être versés à ces trois pays-là pour contre le virus. Alors que l'Italie, elle doit se démerder toute seule, l'Espagne doit se démerder toute seule, la France se démerde, enfin tous les pays européens doivent se démerder chacun de son côté, et Bruxelles va aider le Maghreb. Là, à mon avis, ça va faire des étincelles, c'est vraiment, ce que je disais, c'est ça va être la poudre, enfin, voilà, l'étincelle qui met la poudre au feu, hein, comme on dit, enfin le feu à la poudre. Oh là là, je bégaye, désolé. Et c'est pour ça que je dis que moi, l'Europe, elle est foutue, quoi. Ça, la pandémie qu'on subit, j'avais dit qu'elle allait avoir quelque chose d'important dans une vidéo antérieure, ou qui allait se passer, et qui allait mettre le feu aux poudres, et qui allait faire exploser littéralement l'Union européenne. Eh ben, on est en plein dedans. C'est ce qui est en train de se passer. L'Italie veut se barrer, je veux barrer de Bruxelles, l'Espagne aussi. Macron, lui, pour l'instant, il a accroché comme des morpions au couilles de l'Union européenne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à un moment ou à un autre, il va être obligé de lâcher prise, et puis soit de démissionner, soit de se barrer, quoi, parce qu'il sait très bien que ça va lui, une fois que la pandémie va être passée, ça va malheureusement lui péter au cul grave. Il n'y a pas qu'à lui d'ailleurs, hein, c'est tout le gouvernement qui va manger. Hein. Ça, c'est sûr et certain que le jour où la pandémie sera arrêtée et puis que le confinement sera fini, je peux vous dire qu'il y en a qui ont été à courir. Hein. Parce que même la police, la gendarmerie, etc., ils sont en train de manger aussi. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de contaminés, malheureusement. Moi, je vois dans les jours à venir l'armée intervenir pour pouvoir faire respecter le confinement. Et donc, les choses vont empirer, quoi. Voilà. Ça, oui, mon bébé. Oui, donc ça, c'est la France. Voilà ce qui va se passer en France. On va faire sur le monde, sur le coronavirus. Alors, tu attends 2 secondes, mon bébé d'amour. Papa, il t'appellera quand il aura besoin de toi, d'accord? Merci, mon bébé d'amour. Tu donnes un coup de main à maman?
Alors, pardon, excusez-moi, j'ai pas bougé la webcam. On va me dire, ouais, t'as choisi tes cartes toi-même. Les gens sont tellement médisants maintenant que je me méfie de tout. Le moindre petit truc, c'est. Ouais, gna 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 gna, y a ça, y a ça. Voilà. Alors, Bernadette Violette le 4. Ça, alors là, je fais au point de vue de la pandémie dans le monde. Hein. Le monde en vert. Laurent, Christiane, Jean-Pierre, Evelyne, Guillaume le 3. Le pape en vert. Jennifer, Geneviève, Kate le 1. Oula. Les étoiles en vert. Alors ça, j'aime pas du tout, vous voyez. Il y a frustration, il y a. Voilà. Émeraude, Nicole, Dominique, Patricia, Joseph, le 5. Et on continue. Dans la galère, la mort en vert. Pierre-André, notre minou, matou national, et Isabelle, le 15. La papesse en vert. Violette, Viviane, Véronique et Christian, le 6. 1, 6. Le jugement en vert. Aïe, Bernard! Merci. Non, laisse ça. Myriam, Aurèle, Yod et Isabelle, le 17. Oh là là, le monde en vert. Et Michael, notre vertigo national, le 12. La justice en droit. Alors, comme je disais, pour la dernière carte, c'est pas moi qui vais la choisir. C'est une main innocente. Et là, on ne peut pas plus dire plus qu'innocente. Hein. 3 ans et demi. Tu prends une carte, mon bébé d'amour. Tu prends laquelle que tu veux. Celle-là. Oula. Le fou en vert. Oh si! Oh mon Dieu! Tu fais coucou? Dis coucou. Tout le monde. Les gens. Non, laisse-les ma carte. Merci mon bébé d'amour. Tu te sauves? Maintenant, fais pas de photos, je suis en train de faire ma vidéo. Alors, je sais, il y a le rayon du soleil qui va peut-être vous gêner. Hein. Bon, j'y pense aussi. Mais je suis désolé, il y a du soleil, j'en profite, on laisse les fenêtres ouvertes. Hein. Vivre dans le noir, ça va un certain temps. Déjà que la maison était assez sombre. Donc, dès qu'il y a un rayon de soleil, on en profite. Alors, moi, qu'est-ce que je... Non, bébé, non, bébé, non, bébé, s'il te plaît. Bernard, pose-moi ça, tu vas me le casser. Donc, qu'est-ce que j'en conclus tout ça? Bah, j'en conclus que malheureusement, hein, le Covid-19 va faire malheureusement beaucoup, beaucoup de dégâts dans le monde. Bah, j'ai estimé à peu près... On est 7 milliards sur Terre, entre en tout et pour tout, quand on va arriver à 2-3 millions de morts, ça sera déjà pas mal, je trouve. Vous imaginez 2 à 3 millions de morts, ce que ça représente, c'est impressionnant, quoi. C'est parce que là, pour l'instant, on est à la première étape. Nous, en France, normalement, d'après certains spécialistes, le pic devrait atteindre, enfin devrait se faire cette semaine ou en fin de semaine. J'en suis pas du tout sûr. Pour moi, ce sera un peu plus tard.
Et là, on va avoir de drôles de surprises dans le monde parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a malheureusement des pays qui mentent un petit peu sur la quantité de morts qu'il y a du Covid-19. Les États-Unis vont être lourdement touchés là-dessus, comme la France, hein, l'Allemagne, etc., vont être énormément touchés. Et il va y avoir, oui, à peu près, moi j'estime, là, la première vague du Covid-19 va faire à peu près entre 1 et 3 millions de morts dans le monde. Je parle dans le monde, hein. Je parle pas uniquement en France ou aux États-Unis ou dans le monde, il va y avoir entre 1 et 3 millions de morts, minimum. J'ai bien dit minimum, hein. Je ressens quand même qu'il va y avoir une deuxième vague qui va arriver et qui là va encore aussi faire des millions de morts, malheureusement. On sera peut-être dans le lot, on sait pas. Mais voilà. Donc voilà, faut s'attendre à malheureusement de gros, gros, gros dégâts. Et comme je dis. Et là, je vais me répéter, je vais dire une phrase qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais comme on dit, hein, il y a un proverbe qui dit à qui profite le crime? Réfléchissez. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur le monde, donc il faut s'attendre à beaucoup de dégâts dans le monde, ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, bon courage à tous. Normalement, Virginie, j'ai bien dit normalement, je ne sais pas si oui ou non, elle va faire normalement un live cet après-midi. Non, c'est moi cet après-midi. Je ne sais pas si je vais faire un live, j'en sais rien, je vais voir, je vais réfléchir. Je vais peut-être, oui, peut-être faire un live, mais j'en suis pas sûr. Sur ce, je vous dis bon courage. Le site est ouvert ce soir à partir de 20h. Sur cabinetmedium.fr. Je rappelle que l'inscription et le chat public est entièrement gratuit, qu'on ne vous oblige pas à faire de la voyance, on peut simplement discuter entre nous. J'ai fait ce site, on a fait ce site depuis pratiquement 8 ans. En 8 ans, le site n'a jamais rapporté d'argent, donc c'est voilà, qu'on ne vienne pas me dire que je suis un voleur, etc., etc., que je profite du malheur, enfin, du mal-être des personnes. Faut savoir que moi, en moyenne, c'est 1 euro la minute. Ah, si, il y a aussi, par contre, je suis désolé, Claudia, j'ai pas pu prendre un chiffre, parce que tu m'en as mis deux, tu m'avais mis le 5 et le 12, donc je savais pas lequel prendre. J'ai ma petite femme qui m'a dit ce matin, on l'a prévenue, une amie l'a prévenue qu'il y avait une certaine. Bougez pas, on va retrouver son nom. Daniel Margotin qui bave sur moi, sur les autres pages YouTube, à première vue d'autres voyants. Ou sur une page d'un autre voyant, enfin de quelqu'un. Bah c'est bien ma cocotte. Continue à baver sur moi. S'il y a quelque chose qui te déplaît, je préfère qu'il vienne me le dire en face. C'est-à-dire que dans ces cas-là, bah, tu me fais une demande sur Facebook et puis on en parle. D'accord? Qu'aller de baver sur les pages des autres. Non, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. D'accord? Ça c'est fait. Parce que la critique, ça va un certain temps, mais voilà quoi. Bon, en même temps, ça me passe un petit peu là-dessus, mais à des moments, ça devient un peu gavant. Si on a quelque chose à me dire, qu'on a quelque chose contre moi à dire, qu'on vient de me le dire en face, et pas dans le lot. Moi, quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je vais lui dire en face, je vais pas lui faire dire par quelqu'un d'autre. D'accord? Ça c'est clair. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Donc le site est ouvert tous les soirs de 20h à 23h, et le mardi et le jeudi, on ouvrira à partir de 14h jusqu'à 23h. Sur ce, bonne semaine à tous.